Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue au nom puissant et souverain de Jésus. Habitants du monde entier, que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je vous présente le mois de juin. Voilà, il faut dire que tout au long du mois de juin, nous avons l'opération ouragan de prophétie. Opération ouragan de prophétie sous le thème « Seigneur, fais-moi briller au milieu de ma famille ». Seigneur, fais-moi briller au milieu de ma famille. Il faut dire que c'est la deuxième édition de notre culte familial tout au long de ce mois de juin. Et nous savons que le culte familial se clôturera à Yaoundé avec la grande nuit des flammes, la nuit de la famille, le grand culte familial pendant la nuit de prière. Et ce sera l'occasion pour chaque famille de venir renouer avec le Seigneur et renouveler son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, famille après famille, avec tous les membres de nos familles. Et avec notre offrande familiale à Yaoundé, ce sera pendant la nuit des flammes qui aura lieu ce mois, vendredi le 30 à partir de 21h jusqu'au matin. Et à Douala, ce sera avec la mini nuit de prière qui aura lieu à partir de 16h, jeudi le 29 juin, à partir de 16h. Donc pendant ces grands programmes, Dieu se manifestera et l'inauguration de l'ouragan de prophétie aura lieu à Douala ce jeudi 1er juin à partir de 17h. Et à Yaoundé, l'inauguration de l'ouragan de prophétie aura lieu ce vendredi 2 juin à partir de 17h. Donc ne manquez pas à tous nos grands programmes tout au long du mois de juin. Il faut dire qu'à Douala, tous les mardis, nous aurons l'école de la parole et tous les jeudis, ouragan de prophétie. Tous les dimanches, à partir de 17h, ouragan de prophétie. Et du côté de Yaoundé, ce sera tous les mercredis, école de la parole, mais tous les vendredis à partir de 17h, ouragan de prophétie, et tous les dimanches à partir de 8h, ouragan de prophétie. Venez nombreux à ces grands programmes et la gloire de Dieu sera sur votre vie. Alors je vais rappeler rapidement, la grande nuit des flammes à Yaoundé qui sera combinée avec le culte familial aura lieu ce vendredi 30 juin à partir de 21h jusqu'à l'aube. Et à Douala, ce sera le 29, jeudi le 29, à partir de 16h, avec la mini nuit des flammes. Les gens viendront de partout autour de Douala pour venir recevoir le témoignage et le miracle. C'est ouragan de prophétie. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, ne manquez pas à nos grands programmes. La main de Dieu est étendue pour bénir nos familles tout au long de ce mois. Seigneur, fais-moi prier au milieu de ma famille. Dieu veut vous distinguer au milieu de votre famille. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ veut déverser sa grâce dans nos familles. N'oubliez pas d'amener les membres de vos familles pendant tous nos programmes, tout au long de ce mois, à Douala, tous les jeudis à 17h, tous les dimanches à 17h, et à Yaoundé, tous les vendredis 17h, et tous les dimanches à partir de 8h. Alors la grande conférence des bienfaiteurs à Douala aura lieu ce jeudi 22 juin. Jeudi 22 juin à partir de 17h. Vous n'êtes pas encore bienfaiteur du côté de Douala. Vous avez l'occasion aujourd'hui de le définir et Dieu vous bénira dans toutes vos entreprises. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et du côté de Yaoundé, la conférence des bienfaiteurs aura lieu ce samedi 24 juin à partir de 17h à Ebogo 1 sur la Terre Sainte. Tous nos bienfaiteurs du monde entier et ceux qui veulent devenir bienfaiteurs dans le monde entier, qui n'ont pas l'occasion de le définir ou bien ne savent pas comment faire pour devenir bienfaiteur, alors appelez simplement à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran téléviseur et devenez bienfaiteur et envoyez à travers ce numéro vos contributions. Et je vais exhorter tous nos bienfaiteurs de l'étranger, ceux qui sont hors de Yaoundé ou de Douala, d'envoyer leurs contributions à travers ce numéro et ce numéro uniquement. La grâce de Dieu sur votre vie, ouragan de prophétie, prophétie sur prophétie, one by one, one by one, one by one. Vous voulez connaître la volonté de Dieu et la pensée de Dieu pour votre vie. Ne manquez pas à ce programme et la gloire de Dieu sera manifestée dans votre vie. Tous les malades, je vous donne rendez-vous à Douala tous les mardis 17h, jeudi 17h et dimanche 17h. Et du côté de Yaoundé, je vous donne rendez-vous tous les mercredis 17h, tous les vendredis 17h et tous les dimanches à partir de 8h. Dieu va vous accorder la santé parce que la guérison, a dit le Seigneur Jésus-Christ, est le pain des enfants. Dieu veut restaurer votre famille. Venez renouveler votre alliance avec le Seigneur et ne manquez pas à nos grands cultes familiaux du côté de Douala. Le grand culte familial aura lieu jeudi le 29 juin et à partir du 1er juin, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, s'il vous plaît, apportez un objet qui représente votre famille,
votre maison et Dieu va bénir votre maison et briser les malédictions ancestrales, familiales, les hôtels familiaux. Nous voulons lutter contre ces hôtels qui empêchent aux uns aux autres de s'épanouir dans la vie. Donc du côté de Douala, ce sera à partir du 1er jeudi, le 1er juin à partir de 17h, apporter un objet qui représente votre maison. Jeudi le 29 juin, ce sera la clôture du grand culte familial. Jeudi le 29 juin, clôture du grand culte familial du côté de Douala. Alors portez vos objets dès maintenant à la terre sainte de Ndokbon et Dieu se manifestera, nous prierons. Et jeudi le 29, chacun reprendra l'objet qui représente sa maison, sa famille, son village et les malédictions seront brisées. Du côté de Yaoundé, vous savez, c'est tous les vendredis à partir de 17h, apportez un objet qui représente votre maison et tous les dimanches à partir de 8h. Et la clôture du grand culte familial à Yaoundé aura lieu vendredi le 30 juin avec la grande nuit de flammes. Et je vais inviter comme ça tous les habitants d'autres villes, même de Douala, qui voudraient assister à la grande nuit de flammes de Yaoundé. Vous pouvez venir et Dieu vous bénira. Et nous allons briser ces malédictions et clôturer le mois de juin par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et je veux aussi annoncer à tous les habitants du Burkina Faso qu'il est possible qu'au mois de juillet, je vous rende visite ainsi qu'à ceux du Bénin. Il est possible qu'en juillet, je rende visite au Bénin et au Burkina Faso. Alors, vous aurez la confirmation de cette annonce lors d'une autre édition, une autre occasion où j'aurai la possibilité de parler avec vous, vous donner les détails et vous donner aussi les contacts que vous aurez à avoir pour vous tous qui êtes au Burkina Faso et au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Mido rena mon ondoutbe, ondo larami, mido yona mon, tondo nyawa kote douala ton manka. Chaque jeudi, 17h, dimanche 17h à Douala. Et à Yaoundé Onido, on doit à Djumbare 17h à la 8h. Et toi, l'autre nuit de prière, à Yaoundé Rodum, le 30 juin, vendredi, Djumbare 30 juin, on doit à Tondonyawa Beshirimon, Mindorenamon. Côté Douala, do, grande minute nuit de flamme, do, dum, le 29 juin, à partir de 16h, on doit à Ndoutbe. Allawanamon Barka, Mindohidimon. We love you. We love you so much, our viewers all over the world. You have problems, you have diseases, you have some blockages in your lives, and you want deliverance. Just come to our programs, and the Lord will be your shepherd. The Lord will be your deliverance. Our God will be your salvation. We are waiting for you. Many of you come and receive your blessings and your deliverance. Nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ, que son nom vous garde dans tous vos pays et que la gloire de Dieu repose dans nos vies. Je vous attends très nombreux au nom de Jésus-Christ. Amen.